Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc mon pull était femme est donc terminé. Donc j'ai bien mon point jouré dans le dos, une épaule, le devant et l'autre au niveau de l'épaule. Donc c'est des emmanchures raglantes. Hein. Donc je vais vous montrer mon astuce pour voir si il est possible de faire une encolure en une seule fois. Et aussi connaître le nombre de mailles qu'il me faudra. Donc généralement on commence soit au niveau de l'épaule à l'arrière ou au devant. Donc là je vais commencer ici au niveau de l'arrière. Donc je prends mon ouvrage que je pose en face du numéro 90 sur ma réglette et je vais donc poser sans tirer. Je pose l'ouvrage sans tirer surtout. Là. Voilà. J'ai dépassé le zéro et je continue jusqu'au bout. Jusque là où j'ai commencé. Donc j'arrive à l'aiguille en face de l'aiguille 61, je dirais même 61. Bon, ce qui fait qu'il me faut donc 90 plus 61, ce qui me fait 151 plus 2 mailles pour la couture invisible. Donc je vais monter 153 mailles. Allez, c'est parti, je vais monter mes 153 mailles. Je vais en premier le poser pour voir si tout va bien. Et puis en même temps, je peux aussi vérifier avec mon produit en croix par rapport à mon échantillon de départ. Alors, mon échantillon, en fait, voilà. Je voudrais savoir pour 153 mailles, combien de centimètres fera mon encolure. Donc si je monte 153 mailles, je sais que pour 40 mailles, j'avais 15 cm. Donc je fais mon produit en croix pour trouver X et donc X me ferait 57,37 soit environ 58 cm. Donc là vous pouvez vérifier, donc on prend le mètre. Alors je vais donc vérifier rapidement. Bien sûr il ne faut pas tirer hein, puisque l'encolure à la base, l'idéal c'est de se mettre bien à plat. Hop. Je fais 58, je repère 58 ici, voilà, 58 et je regarde à l'intérieur, facile, parce que le col va se mettre comme ça, ici il va tourner, voilà, je regarde si 58 pour moi va être suffisant, donc grosso modo, si je voudrais bien y arriver, peut-être ouvrir un peu. Voilà, donc je ferme. Après, si vous avez un autre moyen, un mètre moins rigide, c'est encore plus facile de vérifier. Voilà, donc je vois que pour moi, c'est tout bon. Mon encolure devrait bien reprendre toutes mes mailles. Allez, c'est parti, je vais monter et après je vais la poser et je vous montrerai le résultat. Et voilà, l'encolure est posée. Donc, au point maille arrière, voilà, le pull est terminé. À bientôt, coucou à tous.